Bon, et bien voilà, on se retrouve cet après-midi. Vous le voyez derrière moi, le Puma, le 230. On a enlevé l'Optum, on l'a mis sur le Karat. Et derrière moi, on voit l'Héliodore. Donc voilà, le 230 et l'Héliodore 9. L'Optum, lui, il est parti avec le Karat faire un peu de déchaumage à dents, donc dans ce qu'on a déjà déchaumé au disque. Donc voilà, on est dans la parcelle d'orge de printemps qu'on avait fauché ensemble. Pour vous faire un petit récap, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, il me semble que c'était l'épisode 2, 3, il me semble, 2. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais quelques petites images et je vous reprends en fin de chantier. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est le mardi 25 juillet. Donc voilà, il n'y a plus derrière moi, on ne le voit pas, mais il y a bien plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 40 mm dans la matinée. Donc bon, autant vous dire qu'on va pas aller dans les champs aujourd'hui. Rien de prévu, du rangement. Le rangement des bottes de luzerne que j'avais mis là, donc pour terminer le séchage, parce qu'ils annonçaient de la pluie. Rappelez-vous, dans l'épisode 3, ils annonçaient de la pluie en fin de semaine, donc ils s'étaient dépêchés de rentrer les bottes. Donc voilà, elles étaient entassées là pour sécher. Je vais pouvoir les mettre en tas avec les autres bottes au fond du hangar. On va déplacer le 21-20 et la chargeuse. Le 26 tourne derrière. Donc voilà, je vais pouvoir les ranger en tas avec les autres bottes au fond là-bas. Et puis voilà. Ensuite, on va décrocher la benne. La ranger à la place des bottes rondes de luzerne et on va aller chercher les pondeurs en fin de journée chez un voisin pour réessayer, je dis bien essayer, de faire le fumier en fin de semaine, voir ce que ça va dire dans les champs. Donc voilà, je vous filme tout ça. Bon, et bien voilà, ça y est, la benne est rangée, elle est mise juste devant le tas de bottes. Pareil, j'ai remis le tapis sur le côté. Dans le fond là-bas, on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai rangé les bottes de luzerne. Donc là, voilà, prêt pour passer l'hiver maintenant. La prochaine fois qu'on servira de la benne, c'est pour le fumier. En parlant de fumier, nous, on part chercher les pondeurs avec le 630. Je vais vous faire quelques petits plans sur la route. On est parti.
Bon, et bien voilà les amis, on a récupéré les pendeurs sur le classe, sur le 630. Donc voilà, je vais essayer d'y aller demain, mais vu ce qui est tombé aujourd'hui, je garantis rien. Donc voilà, je vous filmerai de toute façon. Donc c'est une fin de journée pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour aller à l'épandage de fumier. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle journée. On est mercredi 26 juillet. Donc voilà, on est le lendemain. Il est pratiquement 14h. L'épandeur est là. On est donc dans la parcelle de poids qu'on avait fauché ensemble. Souvenez-vous, il y avait un tas de fumier là. Maintenant, il est épandu. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin tranquillement. Je vous ai pas repris parce que voilà, je voulais faire ça tranquille, le premier tas tranquille. Il reste la parcelle d'escourgeon qu'on avait fait le déchaumage à dents avec le 6M. Donc on va y aller. Direction avec l'épandeur. Et le 6 qui est juste là. Donc voilà, on est parti. Je vous filme mon après-midi. Notamment, on va parler un petit peu du classe. Donc voilà, j'avais décidé de louer un classe en attendant les réparations du 3650. Étant donné que les réparations se sont un petit peu accélérées, on se retrouve avec un tracteur supplémentaire. Bon, c'est pas le drame, on s'en sert. C'est histoire de le faire tourner, de découvrir aussi une nouvelle marque. Enfin, une nouvelle marque sur la ferme, hein, parce qu'on était chez Lundner. Donc voilà, de tester, donc c'est la même boîte qu'il y a sur le système qu'on a testé, donc pareil, donc voilà, ça permet de faire un point de comparaison. Je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour faire le comparatif, voir un petit peu les points positifs, les points négatifs de l'un et de l'autre, histoire de vous faire un petit comparatif entre les deux, notamment déjà pour moi personnellement, et puis pour vous si vous êtes en pleine réflexion d'achat de tracteur dans ce gabarit-là. Là, il y a quand même un écart de puissance qui est quand même assez important, mais ça reste dans la même gamme, on va dire. Parce que du coup, on passe d'un 6895M à un Arrive 630 de 165 chevaux. Donc voilà, il y a une trentaine de chevaux de différence. C'est pas non plus énorme hein, sur le papier, mais voilà, bah, ça permet de tester. Donc je vous en ferai un petit détail dans une prochaine vidéo. Une fois que j'aurai un peu plus poussé les capacités du 630, là on a juste fait de la benne, de la paille et du dépendeur fumier. Quand j'aurai fait un peu de cover crop, etc., je pourrai un peu mieux qualifier les deux tracteurs et voir lequel a des meilleures compétences que l'autre. Niveau confort, déjà je peux vous dire, rien que niveau confort, j'ai un petit penchant sur le jeune père. Moi je dis pas ça parce que je suis déjà chez Lundner, hein, mais il y a certains points quand même qui sont de chez Lundner. Je vous ferai un petit comparatif point par point et on en discutera ensemble. Mais voilà, pour ce qui est du fumier, donc fumier de bovin, donc qu'on avait curé dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller les voir. Donc voilà, c'était un dépôt qu'on avait en champ. Il devait y avoir une bonne centaine de tonnes dans chaque tas. Donc avec, il y a déjà un tas qui a été pendu ce matin. Et voilà, on épand le reste cet après-midi.
voilà, donc c'est fumée de bovin, j'ai pas fait d'analyse pour savoir combien d'unités il y avait là dedans. J'en ai fait une fois, voilà, un petit peu. Enfin bref, c'est pas, on n'est pas non plus dans le détail, on n'est pas en. On avait vendu là-bas, on a dû vendre à 25 tonnes hectare. Là, on devait être inférieur à 20 tonnes à peu près parce que j'ai moins. Enfin, j'ai autant de fumée que là-bas, mais sur une plus grande parcelle. Donc, j'ai rediminué un petit peu ma dose pour en épandre sur toute la surface du champ. Donc, voilà, je vais essayer de faire quelques petites images sympathiques et puis je vous reprends en fin d'après-midi une fois que j'ai fini mon dépôt. Bon, et bien voilà les amis, chantier terminé, donc tous les dépôts sont faits, enfin tous, les deux dépôts sont faits, l'épandeur est plein derrière moi, je vais aller vider dans une autre parcelle parce que bah, pour le coup j'ai bien visé parce que c'est tombé tout pile, donc voilà je vais aller vider dans une petite parcelle, il y aura un épandeur tout pile donc pareil ça va le faire, je vais ramener le 26 et comme ça demain il n'y aura plus qu'à curer les deux stabules qu'il y a, donc comme ça j'en profite tant que j'ai l'épandeur, ça fera plus propre. Donc voilà, moi je vous reprends demain matin donc pour le curage des stabules. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau jour. Nous sommes le jeudi 27 juillet. Vous voyez derrière moi le cover crop accroché aux classes. Donc voilà, je vais vous mettre les petites images de ce qui s'est passé ce matin. On a curé les stabules. J'ai épandu, bon il n'y avait qu'un épandeur, donc ça n'a pas été bien loin. J'ai rendu l'épandeur et voilà, je viens d'accrocher le déchaumeur. On a pris encore 10 mm aujourd'hui. Il y en a encore au moins 15 qui sont attendus demain. Ça va être compliqué d'aller remettre les pneus dans les champs. Donc j'attends de voir. Je vous reprends peut-être demain s'il y a du mouvement. Ça dépendra de la météo. Cette semaine, la météo était plutôt capricieuse. Et encore la semaine prochaine, apparemment. Donc voilà, pas grand-chose à faire en ce moment. Mais voilà, sur ce, moi, je vous laisse avec les images de ce matin. C'est une fin de vidéo aussi pour vous, je vous reprends lundi soir, donc voilà, la semaine prochaine j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand même, on verra combien de temps que ça fait, mais voilà, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.